Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis avec Joe, champion du monde de surf casting, travaille à Cestas. Comment ça va? Impeccable, moi je suis au bord de l'eau, donc tout va bien. Tu m'étonnes, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler des produits nouveautés Caperlan Saltwater Surf Casting. C'est parti? Allez, on y va. Allez, let's go. Bon Joe, tu vas utiliser quoi comme montage là au début? Alors, je vais mettre le classique 2.1m50 avec une perle flottante sur l'empile du haut. D'accord. Pour aller chercher un petit peu de prospecter dans la colonne d'eau avec la perle et le traîneur sur le fond. D'accord. Tous les poissons qu'on peut y avoir. Ok. Donc ça c'est une astuce que tu prends quand tu commences une pêche en fait. Voilà, en général on va démarrer par essayer de prospecter un peu ce qui se passe dans la colonne d'eau parce que c'est des plages profondes avec beaucoup d'eau. Et sur le fond avec le traînard, et après on adaptera éventuellement s'il y a du poisson de surface plus à pêcher. D'accord, selon là où le poisson a mordu, tu vas t'adapter, tu vas dire voilà, il a mordu là, du coup potentiellement voilà, il va être posé sur le fond. Si les poissons se font que à la perle flottante, bah, je vais mettre un montage à 2 ou 3 empiles perle flottante. Si par contre ils ont tendance à être que sur le traînard, bah, je vais mettre 2 ou 3 empiles plutôt en traînard ou 2 montages mais sans perle flottante. D'accord, bah, ça me paraît. Voilà, faut toujours s'adapter. Sur la plage en fonction de ce qui se passe. Ça me paraît logique, ouais, c'est logique. Voilà. Ok, allez, on monte ça et après on va lancer. D'abord, écher bien évidemment. Ah oui, oui, sans appât, c'est dire d'attraper du poisson. Ouais. Bah tu pêches à l'hameçon, quoi, ça marche pas bien. Ouais, mais après on va mettre les verres et, allez, et on verra parti. Bien. Let's go. Bon ça y est, il vient de lancer sa première ligne. Moi j'ai fait le boulet, j'ai oublié mes moulinets à la maison. Voilà, donc forcément il va falloir que j'apprenne à être un peu plus réfléchi. En tout cas ça fait plaisir d'être là au bord de l'eau, de changer un peu de technique de pêche et surtout d'être avec quelqu'un qui s'y connaît. La pêche c'est aussi ça le partage, c'est d'apprendre des autres. Et on ne connaît pas tout, donc le fait d'apprendre avec des gens qui sont techniques, c'est vraiment très intéressant et en plus Joe est quelqu'un qui aime transmettre, donc c'est ça qui est cool. Vers miracle, bon, j'ai jamais pêché avec, en espérant que ça fasse des miracles. Moi je vais mettre ma ligne, il va aussi mettre une ligne au bord. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent, le bruit des vagues, mais c'est ça aussi. C'est le folklore de pêcher au bord de l'océan. Allez on continue, c'est parti. Je vais remonter ma ligne, ça fait un moment que j'ai pas remonté, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. On va voir si j'ai un poisson. Si j'ai rien, si je me suis fait bouffer. J'ai un poisson. Oh, il est tout petit. Un petit marbré. Mais non. Un minuscule marbré. Ouais, regardez ça les dents. Il est tout petit. Et c'est beau, hein? Ouais, c'est avec magnifique. Ces belles rayures là. Ouais. C'est un superbe poisson. Superbe. Très combatif quand on est sur des plus gros. Oui, j'imagine. Parce que j'ai rien senti. Allez, je vais le remettre à l'eau. Parce que celui-là, il va grandir, celui-là. Allez, va. Au revoir, petit bonhomme. Ok, Joe, parle-nous un petit peu des spécificités de cette canne Symbios 900. 900, ouais. Alors il faut savoir que la canne est déclinée en deux modèles, la version hybride et la version power. Là aujourd'hui on va plutôt utiliser la version hybride. Alors une canne hybride c'est quoi? C'est simplement une canne au niveau du sillon où on a deux morceaux différents qui sont mis entre eux
Et ici une canne hybride du coup avec un sillon qui donne de la souplesse, qui permet une meilleure détection de touche, plus de sensations et aussi une protection des appâts. Donc d'accord. C'est vraiment plus agréable en action de pêche. Ok, d'accord. Très bien. Et tu as des spécificités comme par exemple cette petite annelure qu'il y a là? Ouais, alors là sur notre canne hybride, on a ici une spire réfléchissante. Donc comme ça, un coup de lumière en pleine nuit, parce que l'idée c'est d'avoir des cannes qui soient visibles de jour comme de nuit. Donc en l'éclairant la nuit, on a la bande qui réfléchit. Et on a également une, deux, trois patchs phosphorescents qui, une fois éclairés, pareil, ils gardent la lumière et on voit ces trois patchs phosphorescents. Ça, c'est cool, ça. Voilà, ouais. Et en plus, ça, c'est des produits qui sortent à pas très très cher, en fait. Non, c'est des produits qui sont pas chers, on va dire, pour tout utilisateur. Les cannes Power, ils font contrer entre 150 et 170 euros. Selon la taille, 420, 450. Et sur la version hybride, on est à vers 180, 190 euros pour la 4,50 m. Donc un produit très accessible et qui vraiment procure de la sensation et du plaisir au pêcheur. Voilà, c'est une canne passe-partout pour le pêcheur qui veut soit pêcher assez régulièrement ou alors pêcher occasionnellement. Oui, voilà, c'est des cannes de niveau 900 pour nous, donc qui sont plutôt maîtrisants experts, même qu'on appelle chez nous GT4. Mais c'est vraiment du passe-partout et qui permet de très bien lancer, de prendre du plaisir et d'avoir beaucoup de légèreté, de finesse et de sensation. D'accord. Voilà, c'est surtout ça l'objectif principal du développement de ces cannes. Donc 4,20 m, c'est ça? Alors ici, ouais, là c'est une 4,20 m. Alors là, au niveau de la puissance, c'est pareil, ça dépend selon les modèles, si on est sur l'hybride ou la power. L'hybride, on sera entre 100 et 200 grammes, et la power, on peut mettre des plombées un peu plus, jusqu'à 250 grammes, ça les prendra. Même si c'est pas les poids les plus optimales en action de pêche, mais ça d'accord. Les prendra sans problème. Au niveau des sensations de pêche, très résonantes, plutôt assez ouais, légères aussi. Ouais, très, voilà, c'est presque des poids plumes maintenant les cannes qu'on fait. Très légères, très fines, beaucoup de résonance pour avoir la sensation au niveau du poisson, du lancer. Et un de ses avantages, voilà, c'est un prix pas cher et vraiment très bien en action de pêche. Ouais. Bon. Eh bien écoute, avec quoi tu vas l'associer en moulinet? Voilà, alors là je vais mettre un Adonis 7000 ou 5000, parce que là on peut voir il n'y a pas de houle et il n'y a pas de courant. C'est pour ça aussi que je vais utiliser une canne hybride, parce que les plombs ne vont pas dériver, donc ça permet de mettre des petits plombs fusés pour bien lancer loin si on veut pêcher loin et d'avoir plus de sensations au poisson et de ne pas dériver. D'accord. Donc là j'ai mis, bah, par exemple, si on en a une qui est en action de pêche là en 4,50 m, et là j'ai mis un Adonis 7000. Avec sa bobine longue cast, il permet, là je vais aller chercher les lancer un peu appuyés avec un plomb fusé pour lancer à longue distance. Et après, si je cherchais plutôt de la pêche à mi-distance ou à courte distance, même à la taille 5000, comme j'ai sur mon autre canne 900 light à côté, c'est plus que suffisant. Yes, bon. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à prendre du poisson. Voilà, on est à l'eau, il n'y a plus qu'à attendre, espérer de voir de belles touches et avoir de bonnes sensations. C'est ça, allez, on continue. J'ai vu ton poisson. Ouais. Super ça. Oh. C'est pas le sar attendu là-dessus. Je vais peut-être le mettre là dans. Oh. Elle voulait venir à toi. C'est ça. Bon, petit poisson pour. Petite loubine là. Petite loubine, ouais, de 35, 40. 35, ouais, 35. Super ça. Ça grossit. Voilà. Bon, bah, bien joué. Et ça grandit, le prochain, il va vraiment faire la pelle. En espérant. Allez, il va le remettre à l'eau parce que ça fait pas la maille. Du coup, bah, voilà. Vous aussi respecter les mailles, bien évidemment. Même vous aussi, quand vous êtes au bord de l'eau, respectez bien la maille, il me semble que c'est 42 cm pour le bar. Voilà, donc il faut respecter, même si celle-là était beau, entre guillemets, il faut le respecter. Bien joué! C'est bien. Poisson pour Joe. Oh, ça a l'air beau, ça a l'air d'être un beau poisson. Oh là là, ça tire, hein! Ouais! Excellent! On a doublé de liche! On en parlait! Oh oh oh.
Super ça! Excellent, vous avez vu les gars? Ça c'est du bon poisson ça! Énorme, regardez ça! C'est magnifique! Regardez ça! Attends, je vais. Waouh, c'est super beau quoi! C'est magnifique, là, tu vois, perle flottante, on avait dit perle flottante et. Ouais, elles sont là! Voilà. Très combatif comme poisson! Super beau ça! Super combatif, c'est. Il est dans le short break là, la vague de la fin là. Un doublé en plus là, ça va taille bien. Elle a perle flottante au loin. Eh, c'est magnifique, les couleurs que ça a mon gars! Ouais, c'est ouf, c'est magnifique! Regardez ça les gens. Ouais. Il n'y a pas longtemps que je l'avais lancé en plus, hein, parce que j'ai lancé, je suis parti voir après, je reviens, je vois le fil parti tout. Regardez ça. Parti tout. C'est super beau quoi. Les couleurs bleutées là. C'est magnifique. Wouhou. Ça c'est bon ça. Regardez ça le doublé. Oui monsieur. Les poissons paradisiaques on dirait. C'est ça, ils sont magnifiques. Dans les Caraïbes. C'est fou. Alors qu'on est juste à pas très loin de Biarritz et Bayonne. C'est superbe. Ouais. Bien joué. Nickel, allez. Ça fait on plaisir. On va mettre ça à l'eau. Ah oui. Ça le vont appeler les grands frères. Allez. Les grandes sœurs. Allez. Et là, c'est no kill, les gars. Je sais pas si ça se mange. Mais celle-là, elle va repartir. Allez, va, cocotte. Regardez ça comment elle trace. Po. Elle a tracé direct. Je crois que j'ai une touche les gars. Ouais. Ah, j'ai peut-être un poisson les gars. Ouais, j'ai un poisson. J'ai un poisson. Yes. Allez les gars, c'est parti, on lâche rien. C'est... Ouais. C'est poisson les gars, c'est poisson. Je tiens enfin mon poisson. Il est pas encore sorti parce que devant il y a une barre. C'est pas facile de les remonter mais au moins c'est potentiellement un poisson. Ah ouais. Ah, il parle, on peut voir. Un marbré. Un marbré. Ouais. Oh, 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 c'est mon premier. Marbré, là, voilà, yes. C'est bon marbré, ça. Wouhou. Ah, c'est le deuxième, mais le premier, on va dire que. Il compte pas. Ouais, j'ai réussi à faire mon marbré. Oh, il est beau en plus, hein. Ouais, ouais, il est beau. Waouh. Wow. 32. Là, ouais, ouais. Yes. Eh, la perle flottante. Eh oui. Ouais, tout à l'heure, j'ai tenu les côtés, bah ici il a pris la perle et le verre. Regardez ça les gens. Petit marbré. Aïe. Vigoureux. Très vigoureux, ouais. Regardez ça. Superbe. Avec des couleurs magnifiques. Je vais être comme ça vous allez voir. Waouh! Super beau ça! Petit marbré. Le kiff. Yes. Tu veux le mesurer? Ouais. Allez. Mets-le en plein, sur terre. Hop! 30. On était pas loin. Et la maille, c'est combien celui-là? Bon, normalement la maille c'est 25 les gars, mais celui-là, vu que c'est le premier, eh bien, je vais le remettre à l'eau pour qu'il grandisse et pour que la prochaine fois, il me ramène un beau combat. Allez, va mon beau. Bang. Alors, on avait super. Dit qu'il y a une à pêcher. Excellent. Excellent. Beau poisson, t'as vu les belles couleurs là. Waouh. Les rayures bleues et jaunes là. Oh, c'est magnifique. Vous avez vu ça les gens?
Ça, c'est une ombrine. La bouche inclinée vers le bas. Waouh. C'est super beau. Encore une nouvelle espèce. Ça fait 5 espèces, hein. 5 espèces, ouais, ouais. Les poissons deviennent un peu plus jolis, là. C'est bon, ça. Allez, encore un ou deux lancers pour en faire d'autres. Youhou! Et encore une ombrine. Nice job! Super ça! Et bien voilà! Le mot de la fin, on va dire. C'est ça. Super ça! Toujours en essayant de prendre la fin. Ça y est? Ouais. Qui a dit que la pêche c'était pas du sport? Ah, ça je sais pas, mais c'est ceux qui ont jamais pratiqué la pêche en surf casting. Oh la vache! Chaos, monter les dunes, descendre, marcher dans le sable, charger comme un mulet. Mais en tout cas, c'était super cool. Merci beaucoup, Joe. Ah ben, avec plaisir. Hein. C'était vraiment sympa. Qu'est-ce qui a marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a marché? Alors, toi, t'as beaucoup marché, moi aussi. C'est vrai. Et non, ce qui a bien marché en termes de pêche, c'est le deux fois longues empiles et surtout la perle flottante. Exactement, c'est peu ça. Peu importe, je dirais la couleur, on a mis de la blanche, de la jaune. Ouais. Et surtout, tous nos poissons étaient faits à la perle flottante. C'est ça. Tu vois, au début, t'avais juste un traînard, tu dis rajoute une perle et hop, tu fais un beau marbré avec. Direct. Et moi, pareil, tous les poissons, que ce soit les jolis marbrés, la belle ombrine et le doublé de belle liche, ben, perle flottante. Superbe. En tout cas, on a fait 5 espèces, c'est magnifique. Ouais. Un décor de rêve avec les Pyrénées en fond, c'est super, franchement, j'aime beaucoup. Au niveau des produits Caperlan, les Symbios 900... Hybrides et Power. Les hybrides et Power, ouais. Du coup, qui ont bien réagi, belle sensation sur le poisson. C'est ça. Et quelques touches aussi, on a bien vu des touches de marbré, là. Ouais, à la base, il n'y avait pas de vent. Et du coup, ça s'est levé. Peut-être c'est ça qui a déclenché les poissons ou pas. Ouais, la mariotte, ils sont venus à la mariotte. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, à part... Un petit marbré comme ça, ouais. Un petit piguet comme ça, on a passé 2 heures presque sans rien faire après, et ça s'est déclenché. Comme quoi, il faut attendre vraiment au dernier moment pour partir. Ah, c'est jamais gagné, mais il faut persévérer et insister. Voilà. Et ça finit par payer. C'est ça la pêche, il ne faut jamais abandonner. N'hésitez pas à retrouver dans la description les produits qu'on a utilisés aujourd'hui, la canne, le sac, le fourreau, etc. C'est directement dans la description. N'hésitez pas à aller voir aussi les conseillers qui sont là pour vous dans les décathlons. Ils sont souvent experts, donc n'hésitez pas à leur demander des conseils. Joe, on se referait ça quand tu veux. Ah oui, avec plaisir. Hein. Merci beaucoup les gens, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Et ciao.